Bonjour Hélène, voilà, donc nous sommes le 1er octobre pour les produits finis hygiène beauté du mois de septembre. Alors je me suis trompée dans l'ancienne vidéo, c'est bien les produits terminés du mois d'août. Voilà, un peu fatiguée ce jour-là. Je sais pas ce que j'avais fait la veille, mais bon, pas grand-chose. Bon, bref, B1. Une dame est venue hier soir, non pas hier soir, de dimanche à lundi. J'adore cette odeur de rouge à lèvres, mais bon, je prends pas de rouge à lèvres. Je vais peut-être attendre quelques jours, voilà, et après on verra, et ça sera peut-être dans les produits terminés d'octobre. Donc, bon, ben, vous avez le temps de vous faire juste couler le café, parce que c'est pas non plus, mois d'août, je me maquille pas trop. Je fais peut-être quelques masques. Voilà, j'aurais dû en faire un hier soir. Mais bon, j'avais la flemme. Je suis entrée relativement tard, 8h30, après le sport. Bref. Alors, donc, des lingettes, je crois, achetées à Max Plus. C'est Max Plus? Je sais même pas tellement que j'y vais jamais dans ce magasin. Voilà, 75 centimes. Elles ont fait leur job. Serviettes hygiéniques bio. Acheté à Leclerc, je crois. Voilà, comme d'habitude, hein. Très sexy. Bain de bouche et du drill. Il faudrait que je reprenne ma routine. Je voudrais que je reprenne ma routine bicarbonate. Voilà, j'en ai d'autres. J'ai terminé ça, je l'utilisais pour les mi-jambes en sortant de la douche quand j'y pensais. Non, je suis pas non plus parfaite. Voilà, Nénuco. Alors, Nénuco, pour ceux qui ne savent pas, c'est le. C'est. Alors, on va schématiser, c'est le tartinet chocolat espagnol. Je pense que tartinet chocolat ont pris sur Nénuco, mais c'est la même odeur de bébé Nénuco. L'image sur. C'est du leche. Alors, leche hidratante fragancia original. Donc, lait hydratant parfum original. Mais c'est. C'est pas mon enfance, c'est tout, c'est mon enfance. Alors, à une époque même, j'avais l'eau de Cologne. J'habitais chez mes parents, donc ça date. Et je sais pas pourquoi, je la mettais plus. Et ma mère l'utilisait pour mettre dans son fer à repasser pour avoir une odeur encore plus. Alors, c'était pas fort fort, mais il y avait quand même une arrière-odeur sur le tissu. Voilà, donc pour. Pouvoir le liquider puisqu'on mettait plus mais c'est vraiment alors j'avais payé combien 4,75 puisque c'est du Nénuco donc ça reste de la marque même en Espagne enfin CQFD c'est une marque espagnole donc ça reste relativement cher pour 400 millilitres alors dites-moi si 4,75 c'est cher pour 4 millilitres 400 millilitres voilà. Donc voilà, Nénuco, j'utilisais. Là, maintenant, je vais utiliser. Je sais pas si je voulais montrer, mais vous le verrez entre guillemets deux fois. Spa de chez Action Tribal Le Summer, je vais utiliser ça à partir d'aujourd'hui. Voilà, ça sent aussi. Voilà, ça, voilà. C'est plus de l'opportunité. Voilà, hop, et hop. La couleur que vous voyez là. Je me suis même mis là. J'avais payé 2,64 chez Noz. Alors au début, parce que je l'ai fait le matin, je pensais faire une couleur que j'avais achetée en Espagne. Alors c'est pas le fait de l'avoir achetée en Espagne, c'est que j'ai ouverte. Dans ma tête, je fais, te prends pas la tête, t'es à moitié réveillée, prends quelque chose que tu connais entre guillemets au niveau de les bouteilles, les tubes, machin. Là, il y avait trop de trucs compliqués, entre guillemets. Je voyais pas du tout comment ça le chimique se mettait. Donc, je dis, bon, prends celui-là. C'est pas marqué c'est pas gravé dans la pierre de prendre au fur et à mesure. Donc, quand je serai la prochaine fois que je fais une couleur, c'est-à-dire, si tout va bien, le 11 novembre, j'aurai le temps de regarder comment ça fonctionne. Entre guillemets, c'était un truc, je comprenais rien. Je dis bon, ne te prends pas la tête, prends quelque chose, un système que tu connais, ça ira plus vite. Hein, voilà. J'ai terminé le face primer de Action. Mais oui, bah, comme je vous dis chaque fois, hein, j'adore le produit, mais c'est la façon, à un moment, le flacon pompe se casse. Et pour récupérer, alors je fais un peu comme ça,
Ça. Là, j'utilise un que j'ai acheté sur Amazon qui va être terminé, puisque malgré le fait que je ne me maquille pas beaucoup, je me mettais quand même du face primer. Voilà. Là, il fait encore beau, mais je commence à avoir ma routine maquillage printemps-hiver, automne-hiver. Alors, j'ai terminé. Vous avez vu ça sur une vidéo, donc j'ai acheté à Body Shop. C'est Rose de Kensington, un truc comme ça. Enfin, Miss Marple, quoi. Pour moi, Miss Marple, elle sent ça. Alors, autant sur enfin, quand j'ai essayé le produit, quand je l'ai senti au magasin, que je le sens maintenant, c'est vrai que ça sent la rose, c'est super. Mais après, sur la longueur, j'ai pas senti la rose. Ça n'a pas éclaté dans la salle de bain. Voilà. Enfin, j'ai pas une grande salle de bain. Bon, pas grand-chose. Hein. J'ai pas fait 1 milliard de masques. Alors, micellaire de la. Acheté chez Noz de 20. Est-ce que c'était le paquet ou le paquet? Je ne sais plus. De 20 paquets, ça m'aurait étonné. Alors, peut-être c'était plusieurs paquets. Voilà, j'ai du stock. On verra bien. Je pense que je retournerai à Noz en janvier, j'espère. Voilà, on verra. Alors, de l'eau démaquillante L'Oréal, donc que j'avais acheté l'année dernière à Langon, au Noz de Langon. 1,99 Langon dans la banlieue bordelaise. Oui, ben, elle a fait son job, il est vite parti. Je trouve qu'il est vite parti. Je me maquillais donc les yeux et alors, je me démaquillais les yeux avec ça. Je me passais les lingettes, hein, et je me mettais de l'eau de rose de chez Action. Donc, le petit grain de sel. Même réflexion que pour le scrub. Je l'ai senti en grande surface. J'ai dit, ouais, je le prends, je me crois à la mer. Je le ressens là-bas. Bon, ça a tourné, hein, c'est normal. Hein, ça fait quelques semaines que je l'ai terminé. Ouais, ben ça. Ouais, non. Enfin, ouais, il sentait bon. Hein, je puais pas quand je me douchais. Mais l'odeur que j'avais sentie en grande surface, est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que je sais pas? Mais c'était plus attrayant que ça. Voilà. Mais bon, il a fait son job de produit de douche. Alors, des masques, je n'ai pas fait des tonnes en fin de compte. J'en ai fait que deux au mois d'août, au mois de septembre. J'ai fait le Burberry à 99 centimes de chez Noz. Bon, mais très bien. Hein, très bien. Et Facial Sheet Mask de chez Action. Donc, j'en ai assez pour tenir un siège. Alors donc ça c'est caméléon, non? Donc ça c'était, ah, ça doit être une ancienne couleur. Je jette ça, mais alors c'est, vous savez, pas mon détestage, ma haine. Je suis pas haineuse contre les rouges à lèvres, je n'aime pas les rouges à lèvres, mais ça traînait un peu trop dans la chambre d'Elena, dans le sens que bon, pour s'amuser, elle peut se maquiller. Bon, quand on sort, bien sûr, elle se démaquille. Ça traîne un peu trop, je jette. Ça traîne en trop dans le sens temps, dans le niveau du temps. Après, je veux dire, voilà, elle se maquille, elle a 9 ans, elle va pas se maquiller comme une tepue. Et puis même si elle se maquille comme une tepue, je la démaquille avant de sortir. Voilà, non, je veux dire, je suis quand même, je suis pas une très bonne mère, mais quand même, pas à ce point-là. Après, voilà, elle est coquette, machin. Donc, ça traînait dans sa chambre depuis un trop long moment, donc je jette. Brosse à dents, sa dent, je sais plus laquelle c'est. J'en avais acheté une, je pensais plus avoir de stock, mais j'en ai encore. J'en ai acheté une à 1,50 € à Carrefour. Ben, c'est resté dans la panière qui traînait. Ça, je jette, ça traîne trop. Ça traîne trop. Ça a trop traîné dans la voiture, dans le sens où ça a séché. Donc voilà. Bon, ben, c'était les produits terminés du mois de septembre 2019. On est le 1er octobre 2019. On verra bien ce que je vous propose au 1er novembre. En tout cas, on verra bien ce qui se passe, etc. Je vous dis à vendredi. Alors, normalement, au grand maximum, c'est vendredi. Après, s'il y a des choses. Pardon, réveil à 5 h. S'il y a des choses à dire, eh ben, je vous ferai une petite vidéo. Sinon, je vous vois dans le vlog. Les deux abonnés que j'ai perdus, j'en suis désolée. Je sais que je suis un peu redondante sur mon célibat. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me turlupine plus qu'autre chose, le reste ça va. Voilà, donc je suis désolée, ben, j'en suis la première désolée d'avoir perdu deux abonnés, de vous décevoir. Voilà, bon, mais si vous regardez quand même les vidéos,
comme ça, ouais, je sais que c'est un peu redondant sur mon célibat, mais je le vis, paradoxalement, je le vis très bien. Mais c'est vrai que de temps en temps, il me manque quelqu'un. Voilà, ça s'appelle la solitude. Voilà. Mais en tout cas, ça va. Bon, mais je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, un très bon mois d'octobre dans l'absolu. Et je vous retrouve le 1er novembre pour une vidéo du même type, produit terminé de novembre. Faut pas que j'oublie que c'est ça, c'est septembre. Ciao!